Salut à tous, c'est FabKick. Donc les gars, aujourd'hui nous sommes bien le lundi 25 février. Comme vous le savez, l'after patch pour modder ces véhicules est sorti. Je vais être honnête avec vous, j'ai tenté 5 vidéos, ce qui fait 5 transformations et ce qui a fait disparaître 5 véhicules. Alors, en gros, j'ai raté 5 fois la manipulation, quoi, puisque les véhicules à la fin, malheureusement, devait être trop collé de l'autre. Donc à chaque fois que je revenais de l'activité, malheureusement le véhicule disparaissait, et pourtant à chaque fois j'étais en vidéo. Donc ça fait que, salut à tous, c'est FabKick. Je l'ai fait 5 fois pendant toute la vidéo et à chaque fois ça a raté. Donc pour aujourd'hui, vaut mieux arrêter, sinon je vais péter un câble et je le représenterai demain, pourquoi pas, à ma façon, vous me connaissez. Donc là je me suis dit, pour me faire pardonner, autant vous montrer le délire avec les 1000 dollars, pourquoi pas, pour ceux qui ne connaissent pas, malgré tout. Voilà quoi, ouais, nickel quand même, hein. Ça fera un bon petit glitch quand même. Donc les gars, moi honnêtement, j'ai fait une nuit, comme je vous ai dit, de 3h57 à 10h20. Je sais plus combien j'ai fait, j'avais dit 10 millions si je dis pas de conneries, et je l'ai retapé et je me suis refait un petit 10 millions. Donc les gars, faut en profiter avant que ça soit patché. Donc je comprends pas qu'ils ont patché les véhicules modés alors que c'est gratuit, et qu'ils n'ont pas patché l'argent alors que c'est pire. Enfin, c'est Rockstar. Bref, donc les gars, le but c'est d'avoir un garage et un véhicule de PNJ si vous n'avez pas de véhicule propre à vous. Si vous avez un véhicule propre à vous et que vous êtes à peu près au niveau 45, vous pourrez appeler Lester et avoir un avion. Si vous êtes en dessous, vous pouvez appeler soit l'hélicoptère, voire je pense, ou un bateau. Bien sûr, vous allez toucher beaucoup moins, mais si on fait 10 millions en une nuit, bah vous ferez la moitié, donc à peu près 5 millions. Donc vous pas abuser non plus. Voilà. Donc les gars, à partir de maintenant, le but c'est de sortir le téléphone portable et d'appeler notre collègue Lester. Et moi je vais taper deux fois flèche du haut, puisque moi je peux appeler un avion. Je vais faire deux fois flèche du haut et je vais accélérer et faire croix simultanément. Le but, ne pas être débité dans le garage, et le but est d'avoir le message à trouver un avion au-dessus de la minimap. Donc c'est parti, j'appelle le vieux. What's up, pal? Une, deux, hop. Donc là j'ai pas été débité et c'est bien marqué à trouver un avion. Donc les gars, il n'y a pas de timing en fait. Dès que Lester vous appelle, vous faites deux fois flèche du haut et vous faites croix et R2 simultanément. Une fois que c'est fait et si c'est marqué à trouver un avion, bah vous allez à Seattle. Non, je plaisante. Vous allez là, à l'aéroport. Donc les gars, profitez-en. Je sais pas si tout le monde est au courant de ce glitch. J'espère que oui. Logiquement, il devrait plus avoir beaucoup de pauvres, puisque je ne peux pas dire débutant. Donc je vais dire pauvre. Donc à partir de maintenant, je dirais plus débutant, je dirais pauvre. Voilà. Puisque soi-disant que débutant, ça se dit pas. Voilà. Donc les gars, j'espère que même les pauvres seront riches, puisque là ce glitch est pour tout le monde, que ce soit pauvre ou les gars comme nous, ceux qui ont de la thune, quoi, on va dire. On va pas se cacher non plus, faut être honnête. Donc les gars, là le but c'est de se rendre à l'aéroport, puisque moi j'ai appelé un avion. Et on va faire pour ceux qui souhaitent rester en AFK, vous mettez un élastique sur le joystick de la caméra et l'autre sur le quad de la manette, et vous laissez tourner votre console toute la nuit, et demain vous aurez 10 millions voire plus selon le temps que vous la laissez tourner. Donc j'aurais bien aimé vous montrer les véhicules modés, c'est plus intéressant que ça, malgré que ça c'est très intéressant aussi, attention, oula. Mais voilà, le glitch est très intéressant à présenter. Ce glitch là, il est intéressant, il est intéressant. Donc là on va attendre, 4 000 $, on va attendre que les avions arrivent, voilà, c'est fait, hein. Donc à partir de maintenant, si on veut, on met un élastique et puis on fait tourner le véhicule comme ça. On n'éteint pas la caméra, on n'éteint pas la console, et demain matin, j'aurai, admettons, 450 millions. Si je commence maintenant et je rallume vers 8h du matin. Donc les gars, n'hésitez pas à le faire.
Et si il y a trop de monde, bah vous pouvez aussi aller là-bas. Donc partout où il y a un avion, c'est là que vous ferez de l'argent. Même au-dessus du toit où j'étais tout à l'heure, vous pourrez vous faire de l'argent. Donc là, logiquement, il devrait avoir un cargo Bob. Bon, il est pas là, il fait la gueule. Si, il est là, regardez. Hop, 4000. Donc vous mettez là, c'est pareil. Cargo Bob ou les avions jet privés, c'est kiff kiff borico. Vous mettez un élastique et c'est parti. Donc les gars, voilà, je suis sincèrement désolé de ne pas présenter le don de modder ces véhicules. Je pense que tout le monde a capté la vidéo de Kevin, voire Kevin. Et en tout cas, mettez-lui un gros pouce. Franchement, il mérite les 350 pouces sur ce glitch. Puisque franchement, les gars, c'est pas demain qu'on en aura un nouveau. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce au cas où. Et profitez des deux glitchs. Hein. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt sur le jeu.